La quatrième partie des halakhot du Loulav. Et là, on va parler donc, on va parler donc, Bevat Hashem, comment on attache le Loulav avec les autres espèces, c'est-à-dire avec la Araba et le Hadas. Okay. Alors, on appelle ça une Agouda, on fait une Agouda, on les met ensemble, d'accord? On fait comme un bouquet, d'accord? Alors, il est bon de faire comme ça. Alors, il met le loulav sur la table, d'abord, il le pose sur la table. Okay. En face de lui apparaît la chidra, c'est-à-dire le côté vert, pas à l'envers, d'accord? Le côté vert. Le côté dur doit être en face de ses yeux, d'accord? Il le pose comme ça. Ensuite, la colonne vertébrale, il le met vers lui, sur la table, d'accord? Après, il met une hadas à droite du loulav, donc il prend une hadas, il met à droite. Il y a trois hadas. Donc une, il met à droite. Il en met une à gauche. Okay, et une, voilà. Il la met au milieu. Il la pose sur la colonne vertébrale du loulav. Ça, c'est pour le hadas. Légèrement vers la droite. C'est au milieu, mais légèrement vers la droite. D'accord? Vers la droite. Il la pose au milieu, vers la droite. Après ça, qu'est-ce qu'il fait? Après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les deux haravotes, d'accord? Il prend les deux haravotes et une arava, il la met sur la das à droite. Une, il la met à droite. Et la deuxième arava, il la met à gauche. Comme ça, nous disent les sages de faire, en tous les cas, certains sages, certains géonimes nous disent de faire comme ça. Et d'après Rashi, il faut que la hadas, elle soit plus haute que la arava. Et on la montrera plus, la hadas, est-ce qu'elle soit plus haute que la arava? Okay. Alors on la coupe, du moment qu'elle avait 24 cm, on la coupe vers le bas, hein, bien sûr. Okay. Comment? La das c'est 3 et la rabat c'est 2. Voilà. Une à droite, une à gauche, il a dit. On a dit. Si on commence par la gauche ou la droite, c'est pareil. Ah, c'est l'homme chané, ça. Ah, il fallait commencer par la droite. Non, une à droite, une à gauche. Allez, bougez d'enfant. Non, on aurait pu mettre les deux à droite. Ouais, voilà. Ah, d'accord, ça, c'est pas grave. C'était assez boulard de commencer non. Par la droite. Ok, non, ça, c'est pas maintenant. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire. On l'attachera, nous dit ici, on nous dit ici, en tous les cas, c'est bien de l'attacher. Mais va minam moufrar, de l'attacher avec donc, la rabot, le loulav, les hadassim ensemble, on a dit. Bechtek sharim, avec deux nœuds. Deux nœuds. Okay. Un sur l'autre. D'accord? Voilà. En bas et en haut, kilo. D'accord? En bas et en haut, comme ça, ça tient tout le bouquet ensemble. Bien sûr, on essayera d'attacher ça avant la fête. On attache tout le bouquet avant la fête. Alors maintenant, s'il n'a pas pu la faire avant la fête, et ça arrive, c'est rentré la fête, okay, alors il ne fera pas deux nœuds l'un sur l'autre, des feuilles de palmier, là qu'il a, hein, il ne fera pas deux nœuds sur l'autre. Et là, il fera un nœud coulant. S'il a oublié de faire ça pendant avant la fête, alors il fera avec les feuilles de palmier avec lesquels il va attacher le loulav et le reste des espèces, en faisant un nœud coulant s'il n'a pas fait ça avant la fête. S'il a fait ça pendant la fête, il fait un nœud coulant qu'il défait tout seul, et comme ça, c'est pas, il n'y a pas d'interdit à cela. D'accord? Voilà. Ensuite,
Non, le nartique, il faut éviter de prendre le nartique. Ken. Même si l'effet de Trani, je vais vous le dire, si vous voulez. Ken. Il y a le sujet de... ça veut dire, il y a le sujet d'embellir la mitzvah, d'accord ? Et pas, donc faire deux, c'est quoi embellir ? C'est faire deux nœuds sur la feuille de palmier qu'on va donc attacher, faire un nœud sur un autre, d'accord ? Et pas comme ceux qui ont l'habitude de mettre des bagues aussi, des toutes de bagues qui n'a pas de nœud. Ok. Il faut mieux faire des nœuds. Comme un nœud de chaussure, un sur l'autre. Tu fais un nœud de chaussure et tu, hop, tu fais, voilà, deux nœuds, un sur l'autre. Et voilà, il y en a qui, ceux qui font, alors qu'est-ce qu'ils font, ce qu'on appelle koshklar. Okay. Alors ce koshklar là, comme un entonnoir, comme ça on rentre tout dedans. D'accord ? Il est préférable de ne pas faire avec ça. C'est parce que c'est pas très, très, comme on dit, VNVO, c'est pas le côté joli de la chose. Parce que la Torah, elle a dit, kesher al kesher, un nœud sur un nœud. Okay. Un double nœud. Comme ça, il écrit des différents chachamim. Comme ça, le Rav Steinman, il faisait, le Rav Steinman également. Bon, mais comme il y a même les Ashkenazim, ils font comme ça, donc ils ont sur qui s'appuyer. Bon, d'accord. Nous, les Sfaradim, on ne fera pas comme ça. On n'achètera pas ce koshkilach là, ce koshkilach. On prendra des nœuds de palmier, on fait des nœuds, hop, un nœud sur un autre, un nœud sur un autre. On en fait comme ça quelques-uns, afin que ça tienne bien, et on a le bouquet dans nos mains. D'accord. C'est l'idéal. On a le droit de porter le loulav, le etrog, pendant Yom Tov. Ken. Ce n'est pas moukhtse. Ken. Par contre, Shabbat, on ne pourra pas le porter le Shabbat. D'accord. À cause de moukhtse, parce que c'est comme de la pierre, ça devient comme une pierre, c'est-à-dire, c'est pas un kli. Pour Shabbat, il n'est pas utilisable, donc il est interdit les soirées gufo, mais les soirées makomo. Donc même pour les soirées gufo, pour lui-même et pour l'endroit, on n'aura pas la possibilité de le bouger non plus. Donc on le laisse dans l'endroit qu'on va décider, et Nigmar Sipo. Ok. Par contre, les trogues, on pourra le déplacer pendant Shabbat. Les trogues. Ok. Parce qu'on peut le sentir. On peut le respirer. D'accord ? Mais on ne fera pas la bracha dessus. Pourquoi on ne fera pas la bracha dessus ? Parce qu'il y a une marloquette. Il y a une marloquette sur le etrog. Quand il est utilisé maintenant pour la mitzvah. Comme il est utilisé pour la mitzvah, donc on ne fait pas, même si on peut le sentir, on ne fera pas de bracha dessus. Alors qu'est-ce qu'il fera ? Il prendra un autre fruit pour sentir. Un hôtel Réertob à Perot, il sent un autre fruit, par exemple, et après il prend les trogues, il le sent également. D'accord ? Il prend un limone, par exemple, il prend un citron, il fait la bracha dessus, et après il prend les trogues, il le sent. Il a le droit à faire ça. Mais faire directement la bracha sur les trogues, on rentre dans un safek, comme il est utilisé déjà pour la mitzvah, donc on n'a pas à faire directement la bracha dessus. D'accord ? Alors, il y a une question qui se pose. C'est quoi la question ? Ben, le hadas. Voilà, le hadas. On pourrait le tirer du bouquet et dire on va le sentir. Et comme l'étrog, pourquoi l'étrog tu permets et le hadas, on n'en a pas, on n'en parle pas. Tu dis que c'est moukhtse. Non, mais là, il fait partie de la mitzvah. Il est dans la mitzvah, comme l'étrog, il est parti dans la mitzvah. Hein ? S'il n'est pas attaché, je peux. Non, mais là, on parle qu'il est dans la mitzvah. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, l'étrog, il fait partie de la mitzvah. Ouais. Donc c'est pour ça que, pour le sentir, on a dit, il faut que tu sens sur un autre fruit.
et après tu sens les trogues. Mais tu as le droit de le faire. Mais la hadas, on n'a pas le droit de le faire. Et pourtant, on pourrait avoir la même idée. Je fais la bras sur un autre fruit ou une autre plante, sur la menthe, et je prends la hadas et je sens. Là, on me dit non, j'ai pas le droit. Et pourtant, la hadas, il a une bonne odeur aussi, comme les trogues. C'est pas parce qu'on risque de faire tomber les feuilles ? Alors ? Non. Alors, quel est le problème ? Il dit ici pourquoi ? Ken ? Parce que la différence entre l'étrog et le hadas, c'est que l'hadas, elle n'est là que pour être sentie. Elle est là que pour être sentie. L'étrog, okay. L'essentiel d'un étrog, c'est quoi? C'est pour le manger. C'est vrai que là, maintenant, il est pour la mitzvah. Mais il sert à être mangé et à être senti aussi. Mais le plus, c'est le manger. Mais l'hadas, elle est que pour sentir, que pour être sentie. On ne la mange pas. C'est pour ça que quand la das, elle est avec les trogues, elle est avec le loulav, la das, okay? Donc elle est dans son entité, que pour s'en dire. C'est pour ça que là on l'a interdit, parce que là on la réserve à la mitzvah. Donc sur quoi l'étrog serait interdit ? Que de le manger pendant la fête, mais le sentir, comme il a double fonction l'étrog, manger et sentir, mais le plus c'est manger. Donc manger tu peux pas parce que c'est la fête, mais sentir tu peux. Mais la hadas, que c'est que réservé à sentir, alors tu peux pas la prendre et sentir la hadas, parce qu'elle est réservée que pour ça. Hein ? Non, pour toute la fête. Compris ? Voilà, ça c'est l'idée. Ok, on va s'arrêter là. C'est ça, voilà, pour aujourd'hui.